Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo les gars, une petite vidéo sur Fortnite Battle Royale les amis. Donc comme vous avez dû le voir au titre les gars, c'est pas un sujet très simple à aborder. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas les gars de vous abonner pour les nouveaux, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas le petit code créateur et TutoGamer62. Et je vous souhaite un bon visionnage. Les amis, dans cette vidéo, clairement c'est une vidéo pas coup de gueule mais un peu... Voilà, c'est pas une vidéo joyeuse, je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Aussi, un petit truc aussi pour ceux qui sont abonnés, pourquoi je fais pas de vidéo. J'ai pas le temps, clairement j'ai pas le temps, même les lives j'ai pas le temps les gars. Donc j'essaie vraiment de faire comme je peux là, c'est encore compliqué de faire une vidéo longtemps. Donc je vais essayer de maximum 10 minutes. Les amis, en fait je vais vous expliquer. Là comme vous le savez, je sais pas si vous avez vu It, ou entre guillemets ça en français, ça 2 qui vient de chapitre 2 du coup, qui vient de sortir au cinéma. Et en fait, comme vous avez dû le remarquer, il y avait des ballons. Alors Fortnite avait une partenariat avec le film ça, du coup It. Et comme vous avez dû le voir, les ballons sont disparus. On sait pas, il n'y a plus rien, on n'a plus d'infos, on n'a plus rien. Donc moi je me suis dit putain mais c'est bizarre, il est toujours pas là, on l'attend, il est pas là, je comprenais pas. Il sortait le 11 septembre, il n'y avait pas Andorre qui partait, je sais plus quand. Et genre bien après, donc ils auraient pu faire un truc et tout, mais il y avait un bon timing, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait n'importe quoi. Donc les amis, là vous voyez juste ma tête, je vais vous faire apparaître tout de suite du coup l'extrait de ce que je suis en train de voir. Et en fait du coup, c'est Fortnite XH chapitre 2, la collaboration avec le film pourrait être annulée. Alors ouais, clairement ça me dégoûte parce que clairement là j'ai 25€ de côté depuis je sais pas combien de temps pour acheter ce skin, parce que clairement je veux ce skin. Donc je vais vous lire l'article les gars et après on va débattre. Ah bah moi je vais débattre sur ce que je lis. Et en plus après les gars vous pourrez me donner des hypothèses. Alors pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans les commentaires les gars. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc du coup les gars, les ballons rouges qui étaient présents dans Fortnite la semaine dernière ont disparu. Alors ça date du... il y a 2-3 jours. Ça date de 2 jours. Était présent dans Fortnite semaine dernière. Est-ce que signifie l'annulation du partenariat entre Fortnite et ça, chapitre 2, point d'interrogation. Donc du coup là ils expliquent un peu. Donc du coup Epic Games aime créer des événements dans son jeu qui sont en collaboration avec d'autres univers, comme par exemple les récents partenariats avec Borderlands, comme vous avez vu avec Pandore. Depuis environ 2 semaines, divers éléments laissent à penser qu'une collaboration avec Fortnite et le film ça, chapitre 2, était sur le point de voir le jour. Cette collaboration va-t-elle réellement avoir lieu ou a-t-elle été annulée? Point d'interrogation les gars, on va voir ça ensemble du coup. Beaucoup d'indices sur le partenariat Fortnite X ça, chapitre 2. Alors beaucoup d'éléments semblent être des indices annonçant cette collaboration. Un fichier de son avait été trouvé dans les dossiers du jeu qui était un rire effrayant de clown, ainsi qu'une modélisation d'un ballon qui rappelle les fameux ballons rouges du film. Ces ballons ont par la suite été intégrés dans le jeu à côté de bouches d'égout, ce qui faisait toujours un clin d'œil au film et ne laissait que... peu de doutes sur ce partenariat. Voilà, donc il y a une petite vidéo ici, bon je vais pas vous la mettre mais j'ai pas le son des clowns mais j'ai essayé de le voir. Alors de plus le film sortira le 11 septembre, c'est à dire peu de temps après la fin de l'événement Borderland du coup. Dans le jeu le timing semblait donc parfait, mais du coup la collaboration aura pu être annulée. Il semblerait toutefois que le partenariat n'ait finalement pas lieu car ces ballons ont récemment été supprimés du jeu, on sait pas pourquoi comme je vous ai dit. Et les rires de clown n'ont pour l'instant pas servi. La collaboration aurait-elle été annulée? Point d'interrogation. Donc là les gars je vais vous lire vraiment le compte rendu exact. Alors un data miner a car à lui émis l'hypothèse que le partenariat n'aurait pas été annulé mais serait bel et bien terminé. Donc c'est à dire qu'il y aurait eu des ballons, ils ont juste éclaté des trucs et c'est tout, il n'y aurait plus rien d'autre. Et que les ballons rouges soient le seul élément qui a fait partie de cet événement. Trouver c'est... Pour moi les gars on est d'accord, c'est vraiment, les gars c'est de la merde. Ça 2 les gars, ça chapitre 2, tu nous mets un skin, une danse, une petite ville, tu nous mets un événement, je sais pas. Tu peux pas avoir des ballons et éclater des ballons et c'est tout, c'est pas possible. Toutefois cette hypothèse n'explique pas pourquoi les rires de clown n'aient pas été utilisés. Il serait donc plus probable que tout ceci était juste annulé ou pourquoi pas décalé dans le temps. Donc soit c'est annulé, ce que je voudrais absolument pas, soit été décalé dans le temps. Alors les gars, moi je vais débattre. Alors moi ce que je pense, alors mon hypothèse à moi, c'est qu'ils ont mis des ballons
ils ont fait le truc et tout, et je pense qu'il y a eu un problème avec les licences quoi avec ça chapitre 2, parce que je sais pas si vous l'avez vu, or moi je crois, si je dis pas de bêtises, ça, Hit, ont porté plainte contre Fortnite, contre leur premier film, parce qu'ils auraient copié une de leurs danses, donc ils avaient déjà porté plainte, donc il y avait déjà des tortions. Et après ils ont fait un partenariat, donc moi j'ai réfléchi, je fais cool, mais ça me semblait un peu bizarre. Ils ont fait apparaître des ballons, ils ont éclaté des rires de clown, ok. Pour moi, ça a commencé très bien. Pour moi, ça allait avoir un truc de fou. Il allait avoir des ballons, après il allait avoir une petite ville spéciale et tout pour la journée de sortie. Je sais pas, ils auraient fait un truc avec l'île volante ou j'en sais rien, un délire. Et ils auraient sorti un skin. Là, ça fait deux mises à jour, donc deux semaines que les ballons sont là et qu'ils étaient là du coup. Il y a eu la mise à jour de il y a deux semaines, rien. Cette semaine, donc hier, aujourd'hui, mercredi 18, aujourd'hui mise à jour, rien. Fortnite ne donne aucune information concernant ça. Hit, donc on sait pas. Pour moi, l'hypothèse comme quoi l'événement était le seul, partie de cet événement, comme quoi c'était le seul truc, pour moi je pense que ça se termine comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas de skin, mon hypothèse. Je pense qu'il n'y aura pas de skin et je pense que. Je pense, non les gars, il n'y a plus rien dans les fichiers du jeu. Alors les gars, attention, ces fichiers datent de deux jours. Aujourd'hui, il y a une image. Donc je ne sais pas si dans les fichiers du jeu on a trouvé des choses concernant Hit. Si dès que j'ai des nouvelles informations, je vous les fais apparaître. Je ferai une vidéo pour redébriefer dessus. Donc les gars, je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis en commentaire, dites-moi. Parce que vraiment là, je suis pour l'instant déçu parce qu'il n'y a rien. Et les gars, j'ai juste aussi dire un petit débat les gars, comme tout le monde, comme tous les youtubeurs à mon avis. Les gars, si vous voulez que Hit fasse une collaboration avec Fortnite, les gars, si vous faites un petit coup de gueule là, parce que vous voulez que le partenariat soit là, vous voulez un skin là sur Fortnite qui s'appelle Hit. Bah je veux que vous bombardiez cette barre de like les gars, clairement. Explosez-moi ces likes si vous voulez voir ça, Hit, dans la boutique, du coup, Fortnite. On espère qu'il sera là. Donc là, aujourd'hui, on est les 18h09, il est 20h38, on n'a rien. Pas d'infos. Là, j'ai lu le petit truc, il n'y a rien. Donc c'est vrai que ça... C'est un peu... Ouais, ça... Moi, ça m'embête un peu. Donc voilà. Les amis, également, soit... Alors, les gars, il y a une vidéo qui va arriver après, d'accord, quand je mettrai plus tard sur la chaîne. C'est un court-métrage avec ça, Hit. Sur Fortnite, j'ai trouvé une vidéo en anglais. Sauf que mon temps, j'ai demandé de le traduire, mais il a eu du mal, donc du coup, elle serait pas traduite. Mais je couperai juste un passage et je vous mettrai du coup le court métrage sur Hit Fortnite. Et je pense qu'il est super bien. Alors le problème, c'est que j'espère que je vais pas me faire entre guillemets, voilà, me prendre un petit strike quoi. Mais franchement, il est super bien fait. Moi, je le kiffe. Et je voudrais vous le faire voir du coup. Et je vais pas juste vous donner le lien et que vous irez voir. Je veux vraiment que ça soit sur ma chaîne et que vous le voyez. Donc les gars, attendez-vous bientôt à un gros court métrage qui sortira sur Fortnite Hit avec ça. Bombardez-moi aussi cette barre de like. N'oubliez pas les gars, donnez-moi votre hypothèse. Parce que là, clairement, ça craint. Alors les gars, aussi quelques petites infos que je vais vous donner pour les abonnés. La vidéo FAQ, on va essayer de la faire ce week-end, donc samedi normalement. Normalement ça devrait être bon, normalement. Faut juste que là je récolte des questions pour samedi, normalement ça devrait être bon. Ensuite, moi et un ami, on va participer au concours. Alors attendez, au concours de BD, créer votre histoire. Donc en fait c'était une BD qu'on doit créer pour essayer de gagner un prix sur Fortnite. Donc on a jusque le 29 septembre. Il y en est actuellement le 18. Donc j'ai un pote que je vais montrer une histoire sur Fortnite machin et quoi. Il la dessine et je vous la montrerai dès que vous, si vous voulez la voir, je vous la montre les gars, y a pas de soucis. Ensuite concernant les lives, vous voyez que j'en fais beaucoup moins. Ce week-end on n'aura pas encore. Cette vidéo va arriver normalement vendredi. Normalement aujourd'hui on est mercredi. Ouais bah jeudi ou vendredi les gars. Cette vidéo, je pense, jeudi ou vendredi à l'arrivée. Et du coup, je vais essayer de faire sur jeudi parce que mercredi c'est mort. Jeudi ou vendredi, si sa vidéo sort. Et du coup, il n'y aura pas de live ce week-end. Encore désolé. Dès qu'il y a Hit qui sort ou dès qu'il y a un truc avec Hit ou quoi, je lance une vidéo, je rec et je vous la sors. Les gars, les vidéos Fortnite, c'est juste que j'ai pas le temps d'en tourner. Mais là, je vais commencer à tourner des vidéos vraiment. Je suis désolé, sur ce moment, je suis pas très actif. Je vois que le nombre d'abonnés là. Mettez à 1230 pratiquement, bien passé à 1220. Donc ouais, là je vais essayer d'être là au taquet les gars. N'oubliez pas les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez que ça y vienne dans la boutique les gars, un petit skin clairement. Donc voilà, le petit court métrage qui arrivera également aussi soit dans le week-end, donc samedi, dimanche ou lundi, je pense plus lundi, comme ça fait plus stylé. Donc lundi, vous regarderez lundi soir ou après-midi ou soir un petit court métrage sur ça et Fortnite, donc qui est super bien fait, clairement je l'aime bien. Regardez bien tout.
Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des petites questions, n'oubliez pas de me les dire en commentaire. Les gars, je lis tous les commentaires, je les like et je vous réponds tous. Donc n'hésitez pas à me donner aussi vos hypothèses. Dès que j'ai vu vos hypothèses, les gars, dès que vous m'avez marqué une hypothèse sur Fortnite, je vais pas vous répondre parce que voilà. Mais je mettrai un petit like et je mettrai un j'aime. Ok les gars, les amis, du coup, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez que ça revienne, un petit like les gars. Et pour tous les nouveaux qui ont vu cette vidéo, on espère que ça va revenir. N'oubliez pas la petite hypothèse à faire. Ici il y a tous les trucs. Donc si vous l'avez, ici il y a le lien de l'article donc que j'ai lu. Alors les rires de clown, je vais essayer de vous les trouver. On verra les gars si j'arrive à avoir les rires de. Alors, je crois que j'ai trouvé. Alors, attendez. Ouais, normalement j'ai les rires de clown. Non, ils y sont même pas. Regardez, alors les ballons ils étaient là. Vous les voyez. Et voilà, il y avait des ballons ici. Alors c'est bon, j'ai les rires de clown les gars. Je vais vous les faire écouter, normalement vous les entendez. Voilà les rires de clown dans. Qui étaient dans le truc. Donc voilà les petits rires. Fortnite XH chapitre 2. Donc voilà les petits rires. Donc voilà la petite photo. Super les gars, petite photo de cool. Super. Mec, je vois la photo là. Mec, vous voyez ça les gars. Clairement, clairement les jeunes là, vous flippez. Clairement, vous voyez ça ou en grand là comme ça. Moi je flippe. Bon, pour vous dire les gars, j'ai déjà vu ça chapitre 2. J'ai déjà vu. Donc ça sert à rien d'essayer de me spoiler pour ceux qui tentaient de faire ça. Par contre, j'ai vu aussi que Fortnite fait une collaboration avec Batman. Donc ça par contre ça va pas le faire du tout. Ils ont sorti un truc, donc j'ai pas encore vu les gars. Il y a des trucs qui sont sortis, regardez, il y a des trucs du fichier du jeu qui sont sortis. Mais rien contre ça, donc c'est pour ça que ça commence à être un peu chiant. Mais bon, on espère que ça va arriver les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars si elle vous a plu. Et nous on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live les gars. Ciao tout le monde.